Tu bouges pas. Ok? Tu bouges pas, j'arrive. Ok les gars, donc je vous montre le nouveau bébé, je vous montre le nouveau bébé, il est juste là, donc on appelle ça la caméra VO, donc c'est une caméra 180 degrés, donc c'est-à-dire que quand là je la mets comme ça devant moi là, je vois du point de corner ici au point de corner là-bas, donc c'est un petit bébé que je me suis acheté, mais je ne l'ai pas acheté pour moi, parce que moi ça ne me sert à rien, mais je l'ai acheté pour toi, je l'ai acheté pour vous, donc je vais lancer un tout nouveau service qui s'appelle Foot Vidéo. Football Evolution, Foot Vidéo, le lien est en bas de la vidéo. Et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça va servir dans cette vidéo, pourquoi je mets en place ce service-là. Comme vous le savez, vu que c'est pour vous et que c'est pour vous aider, je vais tout vous expliquer. Alors à tout de suite. Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution, ça me fait très plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi je suis en pleine forme et que vous aussi. Dis-moi que tu t'es entraîné, dis-moi que tu as charbonné ce week-end, dis-moi que tu as bossé dur aussi cette semaine. Entre le week-end et cette semaine, bon, bref, on est perdu mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau service Foot Vidéo, donc le lien est en bas de la vidéo, donc tout ce que vous avez à faire c'est cliquer dessus. Malheureusement pour l'instant vu que moi je suis sur Paris, et que je suis tout seul, donc je ne peux le faire que sur Paris. Donc je peux venir vous aider, je peux le faire pour vous, ça ne me dérange pas, mais faudra que vous soyez dans la région parisienne. Vous demandez à papa, maman, écoute papa, là j'ai besoin de gagner en visibilité, maman j'ai besoin de gagner en visibilité, donc je vais faire appel au service de Football Evolution, et lui il va me faire un CV vidéo. Et qu'est-ce que c'est qu'un CV vidéo? Eh bien c'est ça. Donc le but encore une fois, comme vous le savez, je vais vraiment vous apporter le meilleur. Aujourd'hui, les CV sur papier comme ça avait peut-être de la valeur il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans en arrière, et aujourd'hui ça vaut plus rien. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner envie aux recruteurs, donner envie aux scouts, donner envie aux clubs de venir vous voir. Il y a tellement de joueurs qu'il faut au bout d'un moment sortir du lot. Et pour sortir du lot, il vous faut du contenu, un vrai contenu, pas du contenu bidon. Donc, si je lance le service aujourd'hui, il ne date pas d'aujourd'hui, je ne l'ai pas lancé comme ça du jour au lendemain. La caméra, elle est déjà même bien rayée même. Il y a des petits traits là, là ici il y a un trou noir ici, il y a une petite bosse, là ici c'est rayé. Voilà, donc autant vous dire que cette caméra-là, je l'ai bien essayée avant de vous le proposer. Et j'ai commencé les montages vidéo, j'ai commencé les CV vidéo. Vous pouvez même déjà d'ailleurs les voir sur le site. Donc, le but encore une fois de tout ça, c'est quoi? C'est de vous apporter de la valeur et surtout de donner envie aux recruteurs de venir vous voir, de donner envie au club de vous laisser faire des tests. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de joueurs que c'est mort. Si vous avez du contenu, une vidéo, vous lui donnez nom, prénom, âge, etc. Et en plus de ça, sur le terrain, on voit de quoi vous êtes capable. Ça, je vous le dis tout de suite, ça a 10 fois plus de valeur que un simple CV. Et vous savez pourquoi ça a 10 fois plus de valeur? Parce que moi, ces vidéos-là, je les ai montrées.
je les ai montrés à des agents, je les ai montrés à des recruteurs, et les mecs m'ont dit, c'est pas mal. Lui, ce qu'il fait, c'est pas mal, j'ai envie d'aller le voir. Il me l'a dit de sa bouche. Et les gars, il est agent. Agent, il est recruteur, il travaille pour des clubs professionnels, c'est lui qui va sur les week-ends regarder les matchs, et du coup, quand il voit ça, ça lui donne envie. Et ça, ça a beaucoup plus de valeur qu'un papier avec un nom, prénom et une photo. Ça, c'est mort. Il ne se déplacera même pas avec ça, je crois. Donc, aujourd'hui, le CV vidéo est indispensable si vous voulez gagner en crédibilité et en visibilité. Alors, le service, il est disponible. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien de la description. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez gagner en crédibilité, en visibilité et surtout, même pour vous, parce que j'ai constaté qu'avec la vidéo, ça a un pouvoir thérapeutique. Voilà. Là, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, Brian? Thérapeutique, c'est un mot technique? Non, 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 pas du tout. Le fait de se voir en vidéo, j'ai constaté que ça avait deux aspects positifs sur le joueur. Premièrement, un regain de confiance en lui. Pourquoi? Parce que il se voit dans la capacité, dans la possibilité de faire des choses que lui-même fait. C'est pas comme vous, peut-être que vous avez l'habitude de regarder des vidéos de Cristiano Ronaldo, de Messi, etc. Donc vous regardez d'autres personnes faire ce que vous aimeriez faire. Or que là, dans cette vidéo, c'est lui qui fait ces choses-là. Il sait qu'il est capable de le faire puisque c'est lui-même qui est sur la vidéo. Donc il a plus confiance en lui, il a moins peur, il rentre beaucoup plus facilement dans ses matchs, il a beaucoup plus d'assurance et en plus de ça, il a la possibilité de pouvoir se corriger. Puisque à la fin, moi ce que je fais, c'est que je vous fais votre CV, donc je crée votre fiche, je fais vos highlights, donc je prends tous vos meilleurs moments pour les condenser dans une seule vidéo et à la fin, je vous laisse quand même la vidéo. Non seulement vous allez pouvoir repartir avec la vidéo de votre match, donc vous allez pouvoir analyser vos déplacements, vos placements, le pressing, les appels de balles que vous auriez pu faire, votre placement sur le terrain, et aussi, le point positif, c'est que vous allez pouvoir avoir vos propres highlights. Cette fois-ci, pas les highlights des autres joueurs, pas de Messi, de Ronaldo ou de Mbappé, vos propres gestes techniques à vous. Donc quand vous allez rentrer sur le terrain, vous allez être dans des meilleures conditions pour pouvoir jouer, parce que la vidéo que vous avez, vous êtes capable de faire ces choses-là. Vous savez, vu que c'est vous qui les avez faites. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que c'est quelqu'un d'autre. Donc, quand vous allez rentrer sur le terrain, vous aurez une meilleure confiance en vous, une meilleure motivation, de meilleures croyances. Et en plus de ça, vous aurez une motivation décuplée par 10, par 100, par 1000, parce que vous êtes motivé. Et quand vous voyez des vidéos comme celle-ci, et bien là, vous vous dites, ouais, effectivement, là, ça, c'est moi. Donc là, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'aller au duel. J'ai pas peur d'aller au contact. J'ai pas peur de rentrer sur le terrain et de montrer de quoi je suis capable. Et au contraire, quand je vois les vidéos et que je vois que je suis capable de faire ça, alors je vais faire encore plus et je vais travailler encore plus pour le faire. Donc voilà, c'est le service foot vidéo à la demande. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer en bas, vous regarder un petit peu, vous jeter un œil, vous réserver parce que les matchs, c'est le week-end et pour l'instant, je suis tout seul. Je vais voir si je peux essayer d'avoir un acolyte avec moi, un collègue, un associé. On va voir un petit peu comment on va lancer le projet. Mais voilà, le but, c'est de vous donner de la crédibilité, c'est de vous donner de la visibilité, faire en sorte que vous puissiez sortir du lot. Comme vous le savez, il y a plein de joueurs partout. Aujourd'hui, si vous êtes un joueur qui a une vidéo de lui en situation de match et qui est capable de montrer de bonnes choses, et bien tout de suite, ça vous ouvrira plus facilement les portes à certains clubs que quelqu'un qui ramène un bout de papier avec un CV. D'accord? Je vous le dis clair parce qu'aujourd'hui, voilà, à force d'être sur le bord de terrain et de parler avec des agents et des recruteurs, aujourd'hui, je sais que c'est ce qui fonctionne le plus. En tout cas, eux, c'est ce qui les intéresse le plus. Et vu que c'est par eux qu'il faut passer, dans ce cas-là, il faut s'adapter à la demande. D'accord? Eux, ils veulent ça. Nous, on est là. Qu'est-ce qu'on doit leur donner? On doit leur donner ce qu'eux, ils veulent. Donc voilà, les gars. Sur ce, je vous dis, faites attention à vous. Vous avez tout dans le lien de la description de cette vidéo. Donc, vous cliquez en bas, vous regardez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas? Est-ce que ça pourrait vous donner la crédibilité ou pas? Moi, j'en suis sûr que oui. Donc voilà, faites appel à mon service, réservez déjà pour vos matchs. Si vous savez que vous avez déjà des matchs qui vont commencer là pour cet été, pour le coup, encore une fois, je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ceux qui me suivent de loin, mais je vais essayer de trouver des associés. Donc surtout, n'hésitez pas à me relancer. Tu me dis, vous m'envoyez un petit message sur Insta. Hey Brian, t'en es où avec tes associés là? Moi, je suis du côté de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille. Ramène-moi des gars, moi, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je suis chaud patate et je vais vous montrer c'est quoi un footballeur quoi. Et là, les gars, là, vous me faites kiffer. Si vous faites ça, vous allez me faire kiffer. Donc voilà, faites attention à vous, mettez vos crampons et n'hésitez pas, montrez-vous. Je sais que vous êtes capable de faire de grandes choses. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, je sais que tu es né pour être une étoile, pour faire partie des plus grandes étoiles de ce monde du football. Mais pour ça, il faut avoir le courage.
Il faut avoir le courage de croire en soi. Il faut avoir le courage de passer à l'action. Alors moi, je vous dis au prochain épisode. Faites attention à vous. Et au prochain épisode.